épisode, c'est Rookie. Aujourd'hui, petite vidéo pour des astuces pour les défis et récompenses de Warzone saison 4 qu'on voit ici même. Ça s'applique à tous les types de groupes de joueurs, hein, que ce soit solo, duo, trio, quad. Mais là, comme on va parler surtout aujourd'hui des défis dans la catégorie sociale, ça va être surtout pour aider les joueurs qui sont en solo. Parce que quand vous êtes en duo, trio, quad, ça peut être beaucoup plus rapide à faire. Par contre, quand vous êtes en solo, ça peut être vraiment long. Petit rappel juste avant de commencer, j'ai fait deux petites vidéos notamment sur l'easter egg du sous-marin et l'easter egg du bunker si ça peut vous aider. Et j'ai également fait une vidéo sur le défi déposer 500 000 dollars au cours d'une même partie de pillage qui est glitch et qui peut se faire très rapidement. Je vous les laisserai en fin de vidéo. Pour moi, il y a quatre défis qui sont très longs et très chiants à faire quand on est un joueur solo. Celui-ci, c'est le premier, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et il y en a trois autres qui sont signaler les opérateurs ennemis, il y en a 50. Réanimer ou racheter des joueurs, il y en a 30. Et interroger des opérateurs ennemis, il y en a 30. Aujourd'hui, on va parler donc de signaler, réanimer et interroger. En solo, en fait, c'est tout bête. Pour ce qui est de réanimer ou racheter des joueurs, une auto-réanimation, ça compte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en pillage et je me suis suicidé à répétition en m'assurant bien évidemment à chaque fois d'avoir une auto-réa. Et du coup, ça a validé assez rapidement le défi. Donc je vais vous mettre un petit extrait, un petit gameplay pour vous montrer. Ensuite, pour ce qui est de interroger et signaler les opérateurs ennemis, j'ai fait une petite technique qui peut prendre du temps, mais qui vous prendra toujours moins de temps que si vous essayez de le faire dans des games normales. C'est également d'aller en pillage et de vous éjecter à la toute fin de l'avion, parce qu'il y a toujours entre 2 et 10 joueurs AFK que vous pouvez donc signaler. Et même, pour ce qui est d'interroger, les mettre au sol. S'ils sont solo, bah, ils n'ont pas d'autoréa, ils vont mourir tout seuls. Mais en général, ils sont alliés à une team. Et donc, du coup, ils vont être par terre. Et là, vous allez pouvoir les interroger. Et vous voyez, 9 sur 30, j'ai fait qu'une partie de pillage. Et juste un autre truc important à préciser pour réanimer, pour la technique de réanimation des joueurs où on se suicide, en fait il faut trouver un moyen de se suicider à chaque fois. Moi, ce que j'ai fait comme moyen de se suicider à chaque fois, c'est juste je prenais des tyroliennes, je me mettais en bas d'une tyrolienne, je la prenais et je me laissais tomber en désactivant l'activation automatique du parachute, et comme ça c'était super rapide. Donc je vais vous mettre un petit gameplay pour ce défi et un petit gameplay également poursuit interroger des opérateurs ennemis en pillage pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.
quoi tu joues? Dis-nous ce que tu sais. À quoi tu joues? Dis-nous ce que tu sais.